بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bienvenue sur ma chaîne apprendre le français avec monsieur Sharaf ان شاء الله في هذه الحصه في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال جهه مراكش اسفي الدوره العاديه ماي 2023 بالنسبه للكونديدا ليبر ولا باك ليبر Alors, inshallah, barakatillah. Alors, l'œuvre qui est en examen, c'est le conte philosophique Candide. Alors, la première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. La première journée de nos deux voyageurs, il y a Candide et Cacambo. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'ont pu rassembler. Ou متحمسين وموتيفين لانهم يملكون هذيك الكنوز التي لا تملكها اسيا ولا اوروبا ولا افريقيا هنا كاينه ليكزاجيراسيون ايبر. كانديد ترانسبورتي ايكريفي لو نوم دو كونيغوند سور لي زارب. alors ما الفرح ديالو ديك يكتب لو نوم دو كونيغوند سور لي زارب. à la seconde journée Deux de leurs moutons s'enfoncèrent dans des marais. Hadouk le khafan, les hommes qui ont été en train de se faire, le compte, et ils furent abîmés avec leur charge. Deux autres moutons moururent de fatigue quelques jours après. Candide dit à Cacambo, mon ami, Vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir Mademoiselle Cunégonde. Alors, là, mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. Les ch'tis. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir Mademoiselle Cunégonde. Alors, je nous dis, ce qui est important, c'est وهو لو كوتي مثلا ايتيك الجانب الاخلاقي و لو بونور يعني السعاده يعني كيلخص ليه مثلا لا ريشيس هنايا في لو بونور و في لو كوتي مورال يعني الاخلاق Je l'avoue dit Cacambo mais il ne reste encore deux moutons avec plus de trésors que l'on n'aura jamais le roi d'Espagne voilà là hyper et je vois de loin une ville que je soupçonne être sur une âme Oslo, واحد المدينة سميتها سورينا appartenant aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. Allez, نحن وصلنا نهاية ديال الألم ديالنا، نهاية ديال الأحزان ديالنا، نهاية ديال المتاعب وبداية إيش؟ السعادة ديالنا. Voilà, passage En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre, un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Le nègre ou l'esclave, Mhidalo Rjlo, ou Mhidalo Limniedjel. Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais, que fait-il à mon ami dans l'état horrible où je te vois? J'attends mon maître, il est Chno Kalev, il est Kensinassi Djeline, monsieur Van der Dondur, et n'a Voltaire qui interprète l'oral allemandien. Le fameux négociant, répondit le nègre. Had Van der Dondur qui bi le nègre. Est-ce monsieur Van der Dondur
dit Candide, qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur, dit le nègre, et c'est l'usage, c'est l'habitude. On nous donne un caisson de toile pour tous vêtements deux fois l'année. Et la maltraitance de ces gens-là. Quand nous travaillons en sucrerie et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Voilà, Naya. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Alors, je nous gagne le candide. Il y a des semaines qui ont été faites parce que vous avez tout le monde. Le sucre, voilà, l'Europe, c'est le sucre, voilà, en Europe. Il y a une tariqa ironique, ou en même temps qu'il y a une antiphrase, l'ironie, ou qu'il y a un euphémisme. Il y a un peu de dire, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus partageant sur la côte de Guinée, elle me disait: mon cher enfant, bénis nos fétiches. Bénis nos fétiches, ça veut dire c'est les Hollandais. Bénis nos fétiches, adore-les toujours. Ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs. Et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Alors, quand je suis venu à l'homme dialogue, je vois que tout le monde est en train de se faire. Et je me suis dit que c'est bénisse religieux. Cette assiette, je vois que c'est un homme qui a la fortune de l'homme dialogue ou de l'homme dialogue. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Hélas, je ne sais pas si j'ai fait la fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Et les hnal habib, les hayawanas, voilà, sont moins malheureux voilà, que nous. Il y a un hébreu ou les hnal. الحيوانات حسن منا أقل تعاسة منا سبيان ألوغ نمشيو للأجوبة غابيدمون ألوغ عطاكم لو طابلو تيتر دو لوفر أو سو تكست إكستخيم فوالا كانديد أو لوبتيميزم نوم دو لوتور سي فولتير جونغ ليتيرار دو لوفر كونت فيلوزوفيك سيكل دو بوبليكاسيون فوالا دونك 1700 سي لو 18 siècle, alors siècle des Lumières. Madame Chul, est-ce qu'il a donc un tableau également simple, bizarre, parce que vous avez un grand nombre de jobs, mais qu'on a Candide. Pour situer ce texte, recopier et compléter le tableau suivant. Candide et Cacambo sont au château de Tchandatchantrank. Alors, ma décrache de Smi, de Maloum Afanas, donc c'est faux. Candide et Cacambo sont au château de Tchandatchantrank, faux. Candide et Cacambo découvrent l'Eldorado, faux. Alors non, mais je fais le passage, ils ont découvert l'Eldorado, ils ont déjà découvert l'Eldorado. Candide et Cacambo sont aux abords de Suriname, vrai, ils sont arrivés aux abords du Suriname. Candide et Cacambo se dirigent vers Cadiz, faux. Alors Cadiz, chapitre 10, si je ne me trompe pas. Candide et Cacambo se dirigent vers Cadiz. C'est faux. Alors, quelle leçon Candide tire-t-il de la perte de ses moutons? Je vous laisse lire de Candide, mais je vous laisse lire voilà, le chérifin. Alors, qu'il a fait un instant de la copier-coller, les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et de revoir qu'on y vende. Alors, la leçon lire de Candide, bien. Donc, les richesses de ce monde, il y en a qui doivent avoir matériel, c'est-à-dire l'argent, les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide. Voilà, ce qui est important,
ce qui est fort, voilà, d'accord, dans cette vie, c'est quoi? Ce qui fait le bonheur, ce qui fait la richesse, c'est quoi? C'est la vertu, il y a les valeurs éthiques, l'akhlaq, et le bonheur de revoir Konikon. Question numéro 4. Quel personnage rencontre Candide et Cacambo en approchant de la ville? Je recherche cette lacune. Candide et Cacambo. Voilà un nègre de Suriname. Quelle punition a subi le personnage rencontré par Candide et Cacambo? Je ne connais pas bien le personnage de lacune. On lui a coupé la jambe gauche et la main droite. Voilà. Ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de notre Seigneur les Blancs. Voilà, donc c'est l'antiphrase, c'est l'ironie. Alors, donc c'est le registre ironique. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allah a l'amitié handiel, 17 Rasoul 20. C'est le registre ironique. Relevé dans le texte, les quatre mots appartenant au champ lexical de la région, de la religion. Mais qui est bzef, qui est Dieu, vertu, béni. Et je. Vous avez, c'est. Seigneur, Monsieur Souel Libado, il ne reste encore deux moutons avec plus de trésors que tu n'auras jamais, qu'on n'aura jamais le roi d'Espagne. Il ne reste encore deux moutons avec plus de trésors que l'on n'aura jamais le roi d'Espagne. Alors, ici, la figure de si, c'est l'hyperbole, qui est l'exagération. Elle est pas une ajouche harfane, ou. وهذيك الحمولة ديال الكنز اللي كاينين فيهم ولا عمر الملك الإسبانيا ويكون عنده بحالة ولا هنا إكزاجيراسيون إيبر سؤال سعود il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde partagez-vous cette conception de bonheur exprimée par Candide dans cette LNC tirée du texte justifiez votre réponse en une ou deux voilà quelque chose que j'ai dit Candide, je vous le dis, il y a la vertu, ou les valeurs éthiques, ou l'amour, c'est-à-dire le fait d'aimer quelqu'un et de retrouver quelqu'un qu'on aime pour Candide, c'est le bonheur. Il y a le bonheur, la vertu et l'amour. Personnellement, je partage cette conception du bonheur exprimée par Candide parce que l'argent, voilà, ne fait pas le bonheur. Être heureux, c'est se comporter correctement envers son Dieu, envers ses paroles, envers les autres. Et surtout, le fait d'aimer quelqu'un. Alors, aimer rend amoureux. Alors, je fais la question numéro 10. Que pensez-vous du traitement réservé aux esclaves dans ce texte? Argumentez votre réponse en une ou deux phrases. Voilà, à mon avis, alors, le traitement. Réservé aux esclaves dans ce texte. Alors, donc le traitement est emprunt de barbarie. De cruauté et d'inhumanité et d'inhumanité. Alors pourquoi ce sont des êtres humains
Et on doit les traiter correctement. Voilà. بالنسبة la production écrite, c'est à cause de leur misère, certains parents se trouvent dans l'obligation de faire travailler leurs enfants. Que pensez-vous du comportement de ces parents? Ah, c'est vraiment un sujet bien. À cause de leur kinesbe, certains parents se trouvent dans l'obligation. Alors, que pensez-vous du comportement de ces parents? Quelles règles? Les avis sont partagés. Quelle règle ce comportement est justifié? Quelle règle injustifié? Quelle règle les parents ont raison, ils n'ont pas raison? Oui, vous cherchez les arguments. Yallah, c'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.